Hello, Drew. We will contar a história by you, Leroy. Ele é morto. God rest his soul. But anyhow, he Leroy était bon bout. Seule chose, il était un alcoolique. Il aimait boire. Il buvait tout le temps. Boy, il nous faisait peur à nous autres comme on était jeunes. On était des petits bouts. Et on pouvait l'attendre venir en bas du chemin from un bon bout. Et on allait se cacher en arrière de la maison, sauf qu'il ne pouvait pas nous voir. Mais la maison était haute, et puis il pouvait nous voir, et puis il disait ça, il dit « I see you, I see you ». Well, on avait peur, et des fois on allait dans la maison, s'il venait pour venir pour nous autres. Mais il n'a jamais venu nous faire rien. But anyhow, il y avait une histoire qui comptait qu'un soir, il était prêt à boire, et puis en s'en allant back à la maison, il y avait un phare avec justement la tête qui l'a coussé. Mais comme il a vu ça, il a pris la course. Il a sauté une barrière, après ça, il a sauté l'autre barrière. Et puis, il a couru, essayé de s'en faire de ce phare. Mais il n'a pas pu s'en faire de ce phare jusqu'à qu'il arrive à sa maison. Comme qu'il arrive à sa maison, il s'est rembarré dans sa maison et il a remarqué back le phare. Et moi, je crois que c'est peut-être le bon Dieu qui était prêt. Il dit, Leroy, c'est temps que tu t'en vas, c'est toi là-bas. Mais je ne sais pas comment fait que le monde nous disait cette histoire, si c'était pour nous faire peur, ou qu'on va écouter et faire ce qu'ils nous disent, ou je ne sais pas comment faire, mais je sais que cette petite histoire-là nous faisait peur. Je voulais vous dire à vous autres, mettre ça sur le record, justement passer le temps. Je vous apprécie ça.